Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, les résultats de mon copy trading sur eToro. Donc je crois que c'est la quatrième vidéo où je montre des résultats. Donc avant, un petit rappel de mon objectif. Donc mi-juin, j'avais décidé de créer un nouveau compte eToro, de mettre 2000$ dessus et de faire seulement du copy trading et de montrer tous les résultats. Alors mon but, c'était vraiment de copier des traders qui prennent très peu de risques et d'arriver à du 10% par an. Donc dans les premières vidéos, je vous ai déjà fait voir comment j'ai choisi les traders. Donc là, on va voir les résultats au 1er décembre 2020. Donc les résultats des 3 derniers mois. Alors dans la dernière vidéo, on était à plus 38$. Donc là, on va voir. Donc je vais aller dans portefeuille. Donc je suis bien sur le portefeuille réel. Et là, on voit, on est à plus 77$. Donc ça a bien augmenté déjà. Donc on voit, il me reste toujours de l'argent que je n'ai pas investi. Donc ça, je pense les mettre plutôt en début d'année. Donc les ajouter en copie à ceux que j'ai déjà. Donc on va aller voir directement mois par mois ce que ça a donné. Donc on va aller sur le profil et statistiques. Donc nous on s'est arrêté là en septembre, donc à peu près mi-septembre je crois. Donc on était dans le positif, mais à la fin du mois on est repassé dans le négatif. Octobre aussi, pendant le mois on était pas mal en positif, ensuite on est repassé en négatif. Par contre novembre intéressant, là ça fait plus 2,64%, donc plutôt bien. Donc ce qui nous fait plus 3,96%. Donc pour l'instant, je pense que c'est bien parti pour les 10% par an. Sachant que là, les premiers mois, je n'avais pas tout investi. Donc j'avais investi que la moitié, donc à peu près 1000$. Donc ensuite, on peut voir l'indicateur de risque. Donc moi, je m'étais dit, je veux rester à 3 maximum. Donc là, je suis à 3, donc c'est parfait. Donc 77% des trades rentables. Moyenne bénéfice 5,87%. Et moyenne perte moins 1,41. Et on voit 64 semaines rentables. Donc ensuite, on va aller voir le graphique un peu pour voir l'évolution, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 derniers mois. J'agrandis un peu. Donc moi, j'avais fait la vidéo résultat ici début septembre, donc ça avait déjà bien augmenté ici. Mais pendant le mois de septembre, ça a bien descendu et c'est remonté juste à la fin. Donc ensuite, octobre, ça a commencé ici. Une petite baisse au départ, ensuite une grosse hausse pendant le mois et à la fin du mois, c'est tombé. Mais par contre, novembre, ça a bien augmenté tout le long. Donc on va voir ce que ça va faire en décembre. J'espère que ça va rester stable ou augmenter un peu. Donc pour mon portefeuille, je suis toujours les mêmes personnes. Alors il y a toujours les deux mêmes traders qui sont dans le négatif, mais pas de beaucoup, donc je pense qu'ils peuvent se refaire. Donc là, on voit 1% seulement et 1,60. Et dans le vert, il y en a à 5, 4, 7% et 11% même. Donc un petit avertissement, ce n'est pas un conseil en investissement. Là, le but, c'est vraiment de montrer tous les résultats. Je ne conseille à personne de faire comme moi. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Donc la prochaine vidéo résultat sera dans 1 ou 2 mois. Donc voilà, c'était juste une vidéo assez courte. Donc si vous voulez vous inscrire à eToro, il y a mon lien d'affiliation juste sous cette vidéo. Sinon, si vous voulez aller voir tous mes résultats en direct, vous pouvez taper trading des tutos dans la barre de recherche sur eToro et tous mes résultats sont publics. Donc le but, c'est d'être vraiment totalement transparent. Donc n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et ça me permet de voir si les gens restent aussi jusqu'au bout de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt.